Bonjour Karine Berger. Bonjour Frédéric Et Rivière. vous aviez une motion, votre motion au Parti Socialiste, on va en parler, qui a obtenu 9,5% des voix. Mais Jean-Christophe Cambadélis, hier à l'issue du deuxième tour, est donc élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour votre formation politique ? En tout cas, je le félicite d'avoir été reconduit de manière très claire par les militants socialistes. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. C'est une bonne nouvelle dans le sens où le Parti Socialiste est, à l'issue du congrès de Poitiers, en mesure de rentrer dans la bataille de 2017, qui est la grande bataille que tout le monde attend et avec laquelle, j'espère, nous sortirons vainqueurs. Le congrès de Poitiers qui est à venir, hein, ça, il aura lieu les 6 et 7 juin. Au fond, on a l'impression que vous dites que c'est une bonne nouvelle parce que l'élection s'est faite, mais ça aurait été une bonne nouvelle qui que ce soit. L'important surtout, c'est que le Parti Socialiste finisse cette première phase du quinquennat, qui a été une phase, on va dire, où la clarification n'était pas forcément là. Cela fait un an que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale se déchire. Il n'était pas possible d'envisager une campagne législative et présidentielle pour 2017 dans ce contexte-là. Ce que nous avons fait, le choix des militants est clair. Ils veulent une légitimité, un soutien au gouvernement et Cambadélis à la tête du PS. De ce point de vue-là, je crois que tout le monde doit reconnaître que la situation est désormais très claire. La veille du vote, du premier tour, Jean-Christophe Cambadélis avait demandé aux militants d'arrêter de se regarder le nombril. C'est un bon mot d'ordre, ça? En tout cas, ce n'est pas forcément la phrase qui lui a apporté les 70% qu'il a rassemblés hier. Il est certain qu'il faut que notre parti sorte désormais de ses propres débats internes. Dans les campagnes départementales et municipales que j'ai menées au cours des derniers mois, les Français nous ont posé beaucoup de questions. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés m'ont posé beaucoup de questions, sur notamment les questions sociales. Et maintenant, le Parti Socialiste ne doit plus penser qu'aux réponses qu'il donne à ces Français-là et pas aux querelles internes. Alors pour vous, les militants ne veulent pas de la ligne des frondeurs. La motion de Christian Paul a obtenu un peu moins de 30% des voix. Et vous dites que donc désormais, ils doivent tenir compte du résultat du vote. Ça leur laisse quoi comme choix? Ils rentrent dans le rang ou ils quittent tout simplement le Parti Socialiste? Alors moi, je plaide avec la fabrique, avec la motion D, depuis le départ, pour qu'il y ait un rassemblement de l'ensemble du Parti Socialiste. De la droite à la gauche, de Manuel Valls à Gérard Filoche, nous devons rassembler parce qu'il ne doit pas manquer un seul socialiste à l'appel lors de la bataille de 2017. Donc bien évidemment, je ne suis absolument pas favorable à ce que les militants ou les députés qui se sont retrouvés dans la motion de Christian Paul s'éloignent du Parti Socialiste. Au contraire, il faut qu'ils soient à l'intérieur du parti. C'est à Jean-Christophe Cambadélis désormais de proposer une solution de rassemblement. À la Fabrique, nous avons toujours dit que ce congrès devait être à la fois un congrès qui clarifie la ligne, les militants ont choisi, et un congrès qui rassemble les socialistes. Ce n'est pas nous qui sommes majoritaires, donc ce n'est pas à nous de réaliser le rassemblement, c'est à Jean-Christophe Cambadélis. Ouais. Alors, vous n'êtes pas favorable à ce qu'ils partent, mais vous êtes favorable à ce qu'ils se taisent, en tout cas. Je crois que ce qui s'est passé au sein du groupe socialiste à l'Assemblée est désormais derrière nous. On ne peut pas avoir un vote des militants socialistes aussi clair et continuer à avoir des représentants au sein de la majorité parlementaire qui ne suivent pas cette décision des militants. Je dis cela parce que ce n'était pas évident. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis un an où il fallait que le parti socialiste, les militants, disent très clairement s'ils étaient d'accord ou pas. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Moi, je n'étais pas à l'aise avec un certain nombre de décisions depuis un an. Je prends acte de la décision des militants et je la suivrai en tout cas en tant que... Mais c'est le principe de la majorité et de la minorité. Une minorité a le droit de s'exprimer, non? Ah mais la question de l'expression n'est absolument pas remise en cause. Le Parti Socialiste a toujours fonctionné, à la différence des partis de droite, le Parti Socialiste a toujours fonctionné avec le respect de toutes les sensibilités et de toutes les expressions et du débat. Mais dans le vote à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'endroit où le débat et où les sensibilités doivent s'exprimer. Il faut voter, y compris contre ses convictions. En tout cas, il faut faire en sorte que ce qui a été voulu par les militants socialistes soit respecté. Mais soyons très concrets, Frédéric Rivière. Ouais. Dans la motion A, qui est arrivée en tête deux fois, de fait, il est écrit qu'il ne doit pas y avoir de nouvelle extension du travail du dimanche. Ça a été signé par tous les ministres du gouvernement. Voilà. Ouais. Donc, ouais, sauf que quand on leur pose la question, ce n'est pas clair. On ne sait pas par rapport à quel point de référence ça ne doit pas être étendu. Par rapport au soir du vote, c'est-à-dire, si on prend le cas du commerce, à 5 dimanches ouvrés par an. C'est pas l'intention du gouvernement, il veut aller plus loin.
Quand je dis qu'il faut respecter le vote des militants, oui. Il faut le respecter intégralement. Vous voulez dire que ça engage aussi les ministres qui ont signé. La motion, la vôtre, a obtenu, donc je le disais, 9,5% des voix lors du vote de la semaine dernière. Aujourd'hui, vous soutenez, on entend prudemment, mais enfin vous soutenez Jean-Christophe Cambadélis. À quoi elle servait votre motion? C'était pour prendre date et pour obtenir aussi des postes dans le futur bureau, dans le secrétariat national? Alors, nous n'étions, et nous ne sommes d'ailleurs candidats à rien, et à titre personnel, j'ai déjà fait savoir que je ne ferai pas partie, en tant que première signataire de la motion, du prochain secrétaire national. Pourquoi? Parce que notre parti a besoin de se renouveler. Le Parti socialiste, que cela nous plaise ou non à nos militants, n'est plus à l'image de la France de 2015. La nouvelle génération que La Fabrique, ma motion, a rassemblée, parce que c'est très net, notre motion est peut-être une motion modeste, avec un peu moins de 10% des voix, mais a rassemblé la nouvelle génération du PS. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans, ceux qui prennent des responsabilités partout sur le territoire. Cette nouvelle génération-là, elle doit d'abord s'installer dans les responsabilités qui doivent être les siennes au sein du parti, mais elle doit surtout réinventer le parti de demain. Et franchement, ce message-là, ce message de changement de pratique, de changement d'image, nous avons été les seuls à le porter dans ce congrès et nous allons continuer à le porter dans les 3 années qui viennent. Ouais, Jean-Christophe Cambadélis, vous le disiez, va devoir rassembler le Parti socialiste, mais au-delà du Parti socialiste, c'est toute la gauche qui aujourd'hui est profondément divisée. Les écologistes ne sont plus au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de mots assez durs pour François Hollande. Il y a quelques jours encore, il disait que François Hollande était pire que Nicolas Sarkozy. Vous y croyez à ce rassemblement? Il est encore faisable aujourd'hui ou vraiment les vaisseaux sont brûlés? Alors, je ne crois pas que les vaisseaux soient brûlés. En tout cas, de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce que je dis, comme d'ailleurs, je pense, toute personne de gauche qui n'a pas envie de voir une situation dramatique en 2017, c'est que tous ceux qui, à gauche, refusent de voir que l'union est une évidence, seront en partie responsables d'une éventuelle victoire de la droite, mais surtout de l'extrême droite en 2017. Et qui est responsable aujourd'hui de la désertion de 40 000 militants socialistes? Depuis l'élection de François Hollande, il y en a 40 000 qui ont quitté le parti. Désertion est un terme fort. Départ, si vous préférez. Entre deux élections, il est assez courant que les personnes qui, une partie de leur vie, se sont dédiées au militantisme, prennent face à autre chose et puis souvent reviennent au moment des élections. C'est une proportion importante tout de même. C'est pas tant que ça. Il n'y a pas en fait de chute si marquée que ça par rapport à la participation du dernier congrès. Ce qui est certain, et ça c'est ce que nous avons dit dans notre motion, c'est que les militants pourraient continuer à partir sur la pointe des pieds si nous ne sommes pas capables de secouer le parti. Nous avons besoin de secouer les plumes de notre parti, au sens où on ne peut pas continuer à faire de la politique comme on en faisait il y a 20 ans, avec des sections, des fédérations fermées entre nous. La rénovation, c'est pas simplement une question, on va dire, de mots, c'est la capacité que nous avons à refaire envie, à redonner envie à la gauche et surtout à la capacité que nous avons de représenter la France de gauche de 2015. Ça, c'est un combat qui ne fait que commencer et que, avec La Fabrique, avec l'ensemble des personnes qui ont été désignées via notre motion, cette fois-ci, nous allons porter. Merci Karine Berger. Merci à vous. Bonne journée.